et peuple congolais. Nous sommes deux peuples frères, car les Rwandais sont de la race noire et les Congolais aussi sont de la race noire. Nous sommes deux peuples frères. Donc, nous pouvons concevoir que les Rwandais puissent venir se promener librement à RDC, mener leurs affaires. Nous pouvons aussi concevoir que les Congolais puissent aller librement au Rwanda, mener leurs affaires. Mais cela n'est possible que quand nous menons une politique de respect mutuel. Et non pas une politique de colonisation de l'un par l'autre, parce que cette politique est conflictuelle. Et elle va nous amener des guerres qui vont abîmer les relations entre le Rwanda et la RDC. Peuple rwandais, Hippolyte Kanembe a détourné 17 milliards de dollars qu'il a placés dans les paradis fiscaux au Panama et dans les autres pays du monde. Il n'a jamais donné cet argent à chaque Rwandais. Pourquoi abîmer les relations entre le Rwanda et la RDC à cause d'un individu? C'est pourquoi je demande au peuple rwandais frère de lancer un message à tous les Rwandais. Ils sont 3000 qui travaillent actuellement pour la colonisation du Congo. Je demande au peuple rwandais frère de lancer un message pour demander à tous ces Rwandais de rentrer au Rwanda avant le 7 août. 2017. Parce que la colonisation rwandaise nous a causé beaucoup de torts. Dans la région de Kinshasa, j'ai connu beaucoup de forces communes parce que chaque fois qu'il y a des événements, Hippolyte Kanembe fait venir l'armée zimbabwéenne de Robert Mugabe, l'armée tanzanienne qui viennent massacrer les Congolais. Beaucoup de forces communes dans la région de Kinshasa. Allez fouiller au Kassai, il y a là-bas beaucoup de forces communes. Et lorsqu'on a massacré les adeptes de Bundiago, j'avais demandé à l'ONU de venir enquêter sur les forces communes qu'il y avait dans le Bas-Congo, que le général Rauch avait institué dans le Bas-Congo, mais l'ONU n'est pas venue. Et c'est qu'aujourd'hui l'ONU est prêt à enquêter sur les forces communes de la région de Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui l'ONU est prêt à enquêter sur les forces communes du Kassai? Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays potentiellement très riche. Et Hippolyte Kanembe se sert de cette richesse pour corrompre tout le monde. Il corrompt tout le monde à travers la planète Terre pour acheter leur confiance afin qu'ils puissent se taire et qu'ils ne puissent rien dire sur les atrocités qui se passent au Congo. C'est pourquoi j'insiste au peuple rwandais frère. Vous savez qu'à l'époque de Laurent Kabila, on avait chassé des Rwandais. Et il y a des Rwandais qui étaient morts. Et je ne veux plus qu'on puisse encore tuer des Rwandais, mais je demande au peuple rwandais frère de lancer un message pour demander à tous les Rwandais, ils sont 3000 qui sont actuellement au Congo et qui travaillent pour la colonisation du Congo, de rentrer au Rwanda avant le 30 juin. Avant le 7 août. Parce que le 7 août, nous deviendrons intraitables. Le 7 août, nous appliquerons la loi de la justice divine qui dit œil pour œil, dent pour dent. Beaucoup de Congolais ont été massacrés par l'armée tanzanienne et l'armée zimbabwéenne, invitée par Hippolyte Kanembe.
comparer ces nombres de Congolais massacrés par rapport à 3 millions de Rwandais qui travaillent pour la colonisation du Congo. C'est incomparable. Comparer aux milliers d'adeptes de Bundaku qui ont été massacrés dans le Bas-Congo par le général Laos et dont on a enterré dans des fosses communes, c'est incomparable. Comparer aux fosses communes qu'il y a actuellement dans le Kasaï, à quelques 3000 Rwandais qui sont au Congo, c'est incomparable. Ainsi, le lundi 7 août, nous serons intraitables. Nous appliquerons la loi de la justice divine, œil pour œil, dent pour dent. Pour éviter ça, je demande au peuple rwandais frère de donner un communiqué où il invite tous les Rwandais qui sont au Congo de rentrer au Rwanda avant le 7 août. Si le peuple rwandais frère fait cela, je le promets qu'après notre révolution du 7 août, j'irai en visite fraternelle au Rwanda pour féliciter le peuple rwandais de vive foi. Mais s'il préfère faire la sourde oreille, nous, le 7 août, nous allons appliquer la loi de la justice divine, œil pour œil, dent pour dent. Et tant pis pour ce qui viendra. Je voudrais expliciter un problème. Hippolyte Kanambe, c'est un ancien taximen de Dar es Salaam. Il n'est pas venu avec de l'argent au Congo. Mais maintenant, c'est lui qui gère l'argent du Congo. Dernièrement, il a envoyé un ministre à Genève. Ce ministre qui s'est mis à nier que Banamura n'existe pas. Alors que c'est la ministre privée d'Hippolyte Kanambe. C'est connu de tous les Kinois, les Banamura sont bien. Vous voyez comment ce régime ment comme il respire. Un ministre qui va mentir à Genève que Banamura n'existe pas. Mais Banamura était à mon palais royal lors de la guerre atroce qu'on a dit vrai. Banamura était là-bas. Et tous les Kinois savent qui sont les Banamura. Ils ont leur camp qui sont bien connus. Mais un ministre va mentir à Genève. Tout comme Tambo Mwamba, c'est un Tutsi de Burundi, s'est mis à mentir pour la guerre qui s'est passée à Makala. Bundula Congo a été fondé depuis l'époque du maréchal Mobutu en 1986. Et tout le monde connaît que Bundula Congo n'a jamais utilisé ses désarmes. Dernièrement, quand il y avait le régime 1 plus 4, je suis allé voir M. Swing, un Américain. Je lui ai demandé, mais comment dans votre régime 1 plus 4, vous avez ignoré Bundula Congo, alors que Bundula Congo, c'est un mouvement très populaire qui embrasse toute une province. Voici la réponse de M. Swing. Non, je sais que Bundula Congo est très populaire, mais à Sen City, nous avons seulement servi les mouvements armés. Or, tout le monde sait que Bundula Congo n'a jamais été armé, c'est pourquoi vous n'avez pas été servi. Donc, cet Américain, M. Swing, a témoigné que Bundula Congo a toujours été un mouvement non armé. Sa force est une force mystique, spirituelle. Mais cette force est réelle. Allez au Kasaï, vous trouverez des gens qui savent commander des foudres. C'est une force mystique bantou. Vous commandez la foudre et la foudre vous fait le travail. Il y a beaucoup d'autres techniques ancestrales que nous connaissons que Bundula Congo a toujours actionné sans utiliser des armes. Donc allez raconter
que Bundula Congo a fait la guerre, c'est du mensonge. Mais c'est Hippolyte Kanembe qui gère l'argent de ce pays. Et avec cet argent, il a réussi à corrompre même les grandes puissances. Il donne de l'argent partout. C'est l'argent du Congo. De telle manière que le Congo se définit maintenant comme le peuple congolais, un peuple qui a un pays extrêmement riche, mais lequel le peuple est extrêmement pauvre. Et l'argent du Congo, Hippolyte Kanembe s'en sert pour corrompre à gauche, à droite, afin de museler les consciences et de faire taire les crimes qu'il commet au Congo. En tout cas, je le répète, le 7 août, j'invite tout le peuple congolais de se lever comme un seul homme pour chasser Hippolyte Kanembe et les 3000 Rwandais qui travaillent actuellement avec le Bizi Makara et autres, qu'on chasse les 3000 Rwandais qui travaillent pour la colonisation du Congo. Le lundi 7 août, j'invite tout le peuple congolais de se lever comme un seul homme. C'est notre pays. C'est notre pays. La République démocratique du Congo, c'est notre pays. Et tous les gens de la majorité présidentielle qui racontent des conneries pour soutenir un étranger, c'est malheureux. C'est malheureux. Donc, je termine en disant que je demande au peuple rwandais frère d'inviter tous les Rwandais de rentrer avant le 7 août. Si le peuple rwandais frère le fait, immédiatement après le 7 août, moi je rendrai le peuple rwandais frère une visite de courtoisie au Rwanda pour le féliciter de vive voix d'avoir émis ce message de sagesse qui nous aura évité de faire couler encore le sang. Quoique nous avons beaucoup pleuré, il y a des forces communes partout dans la région de Kinshasa, au Kasaï et dans le Bas-Congo. J'invite le frère, le peuple frère du Rwanda, de demander à ses citoyens de rentrer au Rwanda avant le lundi 7 août. Expliquer un problème pour le rendre suffisamment clair. Demandez à Vital Kamerhe et il vous dira qu'Hippolyte Kanembe a cherché à me tuer depuis 2009. Qu'on a toujours cherché à me tuer. Demandez à Mama Dada, c'est une femme mouswahili de Maniema qui habite à côté de ma maison. Elle sait que chaque fois Hippolyte Kanembe a toujours envoyé des généraux la nuit qui viennent passer la nuit chez elle pour m'attaquer à 3 heures du matin. Mama Dada a toujours témoigné. Mes chers frères, est-ce que vous avez vu la guerre qu'on m'a livrée à mon palais royal? Des armes terribles ont tourné. Ce palais royal que je construis en 35 années de temps est devenu dans un état délabré. Et dire qu'il y a des gens qui pensent que moi je suis de connivence avec Hippolyte Kanembe, non. Peuple congolais, toutes les personnes qui racontent ça sont vos ennemis. Peuple congolais, avez-vous vu un politicien qui a appelé Hippolyte Kanembe c'est tout rwandais? Tout le monde l'appelle le président Kabila. Je suis le seul à l'avoir appelé Hippolyte Kanembe. Et je vous demande, peuple congolais, qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et après l'heure, ce n'est pas l'heure. Tshisekedi est parti.
Jean-Pierre Bemba, Hippolyte Kanambe l'a paralysé à la Cour pénale internationale en corrompant avec les richesses du Congo. Tshisekedi, on l'a tué. Et Félix Tshisekedi a assassiné son père sous la promesse qu'il devait recevoir le poste de Premier ministre. Quant à mon compatriote Sikila Dokolo, je regrette seulement. Je regrette seulement qu'il ne connaît pas les réalités du Congo. Je regrette seulement que quand on a massacré 1 millier d'adeptes de Bunda qu'on a le bas Congo, Chebeya est mort pour ça. Chebeya a préparé un dossier pour la Cour pénale internationale au sujet des massacres de Bunda. Bon, je regrette que mon frère Sikila Dokolo n'a casqué aucun sou pour voler au secours de ses frères Bakongo. Mais qu'on ait massacré des Baluba et des autres, il a casqué beaucoup de sous. Je lui rappelle une chose, que moi j'ai connu son père. Son père, c'est quelqu'un que j'apprécie sérieusement. Et moi, je ne vois pas d'inconvénient que Sikila Dokolo devienne, par exemple, le Premier ministre du Congo. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Mais qu'il se rende compte qu'en Afrique, le vote est tribal. C'est tout. Ce sont les Baswahili qui ont toujours soutenu Hippolyte Kanambe. Et ce sont les Bakongo qui ont soutenu Mutaka Sabou pour le conduire au 30 juin. Ce sont les Baswahili qui ont soutenu Lumumba. Donc, en Afrique, le vote sont toujours tribal. Si mon frère, Sindika Dokolo, s'est dissocié de sa tribu de Bakongo, moi, je ne sais pas qui va aller voter en RDC. Or, en moi, il a un allié puissant qui a connu son père, qui apprécie bien son père. Mais si nous tournons le dos, nous serons obligés de le tourner aussi le dos. C'est tout. Donc, je le répète une fois, peuple congolais, ne vous laissez pas démotiver. Avez-vous vu quelqu'un qui a appelé cet homme, cet intrus, Hippolyte Kanambe? Non. La guerre du Bas-Congo. Mais je vous l'avais déjà décrit, qu'Hippolyte Kanambe voulait provoquer des guerres partout pour éviter les élections. Et que c'est Manté et Solo qui lui a donné le prétexte pour provoquer une guerre du Bas-Congo. Pas Némoanda, c'est Manté et Solo. Donc, ce sont des bobards. Des bobards, des gens qui racontent. Les armes qu'on a fait tourner chez moi, vous les avez entendues? Vous les avez vues? Demandez ceux qui ont vu ces armes. Le palais royal que j'ai construit en 35 années, totalement délabré. Mais je demande à l'ONU de venir voir mon palais royal, comment on l'a délabré. C'est tout. Donc, vous savez que je suis un ancêtre réincarné. En dehors des hommes, moi j'ai des chefs spirituels qui sont des dieux. Vous croyez que moi je peux jouer de la comédie, mais je n'arriverai pas à tromper ces dieux. Je n'arriverai pas à tromper le Seigneur Kimbangu. Moi j'ai été envoyé en mission au début de l'ère du vaisseau pour servir de guide de la race bantou. Les dieux bantou me voient. Et vous croyez que moi je vais faire l'hypocrisie, mais je n'arriverai pas à tromper ces dieux. Ces dieux vont être déçus que nous avons envoyé un ancêtre réincarné. Si quelqu'un parmi vous est spiritualisé, qu'il sache que dans le monde spirituel, on m'appelle Mavouembanko aussi. Ce qui veut dire celui qui mate les lions. C'est l'homme aux situations difficiles. En d'autres termes, c'est le dictateur divin. Et Timakatiopa, la fraternité qui regroupe tous les dieux, tous les ancêtres divinisés bantous, massacrés au début de cette année, chef saint de l'Afrique centrale. Vous croyez que moi je vais trahir ces dieux? Imposte. C'est ce que vous ne me connaissez pas. Vous pensez qu'avec moi vous pouvez raconter n'importe quoi pour me salir?
Mais moi, je ne crains pas les hommes, moi, je crains les dieux, parce que nous n'avons pas de moyens sur cette terre pour tromper les dieux. Le Seigneur Kimbangu savent tout ce que je fais. Tous les dieux bantous savent ce que je fais. Et les dieux bantous sont tous avec moi. Les dieux bantous sont tous avec moi. Donc, inutile de raconter des conneries. Vous allez simplement vous salir. Parce que quand vous racontez, vous savez, il y a un principe qui dit que lorsque l'archange dit que notre Dieu ancestral envoie un messager, tous ceux qui respectent ce messager respectent l'archange du Congo. Et tous ceux qui dénigrent ce messager dénigrent l'archange du Congo. Mais c'est très grave. Mais c'est celui qui m'a envoyé en mission. Vous croyez que moi, je peux trahir ces dieux pour jouer la carte du politique en Amérique? Mais pourquoi il n'a jamais payé les dommages d'intérêt que le Parlement a décidé contre le Congo? Hippolyte Kanambe n'a jamais payé. Vous croyez que moi, lui qui a détruit mon palais royal, lui qui m'a envoyé des armes terribles tourner sur moi? Non, non. Écoutez, les dieux ne vous croiront pas. Simplement, ils vont vous maudire parce que vous êtes des menteurs professionnels. Et j'invite mon frère Sikilando, syndicat d'Okolo, de s'écarter de cette classe médiocre. Parce que la classe politique congolaise est médiocre. 60 ans durant, elle a été incapable de développer un pays merveilleux. Et cette classe politique a accepté comme chef un étranger. J'ai dit à mon frère syndicat d'Okolo que j'aimais beaucoup parce que j'ai connu son père. Et son père soutenait Bondure à Congo. J'ai dit à mon frère qu'il fasse attention des Kamitatou. Ce sont des traîtres professionnels qui ont soutenu Kabila. De faire attention à Félix Tshisekedi. Il a fait tuer son père. De faire attention à tous ces bobards afin que tous les Congolais sachent que si nous avons un homme crédible à ce pays, ce n'est moi là, c'est simplement. Parce qu'il ne craint pas les hommes, mais il craint les dieux. Et il n'a pas les moyens de tromper les dieux. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet des bobards qui se racontent que moi je me connais. Mais c'est terrible. Vous voyez, allez voir mon palais royal ce qu'il est devenu. Voyez les armes qui ont tombé sur moi, sur ordre de ma tésoro, de Chagali, de Kalev et d'Hippolyte Kanambe. Vous croyez que moi et la guerre de Makala, c'est Hippolyte Kanambe qui l'a fait. Et il a voulu le mettre. Vous croyez que moi je veux être reconnu. Mais j'ai déjà dénoncé la guerre parce que Hippolyte Kanambe fait des guerres partout parce qu'il ne veut pas des élections. C'est tout. C'est pourquoi il a voulu provoquer des guerres au Kivu. Au Kassai, il a été là-bas. Maintenant, il veut entamer le Bakongo. Mais moi, j'ai déjà parlé à mes ancêtres. Les ancêtres Bakongo vont maintenant le voir. Parce que quand il est à Kinshasa, quand ça va mal, il fuit en Kamba. Moi, j'ai parlé à mes ancêtres qui sont en Kamba. Il fuit à Inga. Moi, j'ai parlé à mes ancêtres qui sont à Inga. Il fuit à Boma et à l'île de Matéba. Moi, j'ai parlé à mes ancêtres. Mais, je le répète, moi, je ne crains pas les hommes parce que je suis un politicien teinté de spiritualité. Je ne crains pas les hommes, mais je crains les dieux. Or, il s'est fait qu'en ce début de l'ère du Verseau, les dieux de Dimaka Théoba m'ont sacré chef saint de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le leader principal de l'Afrique centrale. En d'autres termes, le guide éclairé de l'Afrique centrale. Si vous ne me suivez pas parce que vous êtes embobiné par une fausse propagande, les dieux vont vous punir. C'est tout. Voilà. Je termine. Igneta. Et Iboko. Je termine.